La fatigue liée au mois de jeûne du Ramadan n'a pas entamé la mobilisation des Algériens et encore moins leur détermination. Ici à Alger, les manifestants ont réussi à repousser les policiers anti-émeutes qui tentaient de leur interdire l'accès au parvis de la Grande Poste, lieu de ralliement de la contestation dans la capitale depuis le début du mouvement en février dernier. Ils veulent nous détruire, mais ils n'y parviendront pas. Nous avons dit, ils doivent tous partir, ça veut dire qu'il faut qu'ils s'en aillent tous. Non à leur histoire de vengeance. C'est nous qui choisissons qui doit nous représenter, et pas eux. Les Algériens continuent d'exiger le départ de toutes les personnes associées à Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président poussé à la démission début avril. Ce vendredi de manifestation dans la capitale et à travers le pays est le 13e consécutif.